sais bien comment je t'admire. Pour un tabac, tout irait sans posséder. Si la vie t'a permis de moins gagner, y a un moyen pour t'aider comme ça doit. Voilà, nous finissons éplucher. C'est gingembre blanc. J'ai pas enlevé toute la peau, mais c'est pas grave. C'est le goût qui compte, ok? Et là, on va passer maintenant au mixage. Histoire que pour ne pas abîmer les ongles, non? Pour ne pas abîmer les ongles. Pour ne pas abîmer tout ce qui est manicure, c'est mieux d'utiliser ça, d'accord? C'est mieux d'utiliser le blender. C'est plus facile et plus rapide. Maintenant, il faut couper les patates en petits morceaux. Pas vraiment petits, moyens. Ou même plus petits, c'est mieux, mais là aussi ça va. Mais en morceaux. Voilà. Je vais continuer sans la vidéo et après, voilà, j'ai relancé ma vidéo pour vous montrer comment j'ai fait. Une fois que c'est prêt, je rajoute le lait de coco. Voilà, je rajoute le lait de coco. Moi, j'ai utilisé que ça parce que je voulais essayer aussi avec le lait concentré. Donc, j'avais pas assez de lait de coco et j'ai utilisé le lait concentré. Mais il n'y a pas de mal. Mais si vous voulez, vous utilisez que le lait de coco. Ok, il n'y a pas vraiment une différence. C'est à vous de voir. Moi, j'ai utilisé la brique comme ça, la petite. Bon, vous avez qu'à utiliser au moins hein, pour la quantité que j'ai faite. Il faut utiliser au moins 3 briques. Hein. Voilà, la banane, je vais la couper en morceaux. À l'arrache, quoi. Je fais tout ça avec ma main. Je suis plus à l'aise tant que j'ai les mains propres. Voilà. Je rajoute 2 bananes. Et on continue. Les bananes sont bien mûres. Je les ai laissées au moins une semaine. Et là, elles sont bien mûres. Là, j'ai tout pris. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je coupe le gingembre. Voilà. Par contre, je fais 2 tournées, d'accord? Même l'autre patate que vous voyez à côté, je vais faire ça après. Mais je finis déjà avec la quantité qui est déjà dans le blender. Je vais mixer et après je vais relancer pour l'autre patate aussi qui est à côté. Et voilà, je vais aller passer au mixage. Sans vous, à tout de suite. Voilà, une fois que j'ai fini de mixer, de bien mélanger tout ça,
je verse ça dans la chaudière. Voilà. Là, c'est un peu, pas vraiment lisse, mais c'est lisse. C'est déjà pas mal. Et voilà, on continue, on prend tout ce qui reste. Et voilà. Là, vous voyez, c'est bien lisse. Et le travail est fait plus rapide. Il y a déjà tout, gingembre, patate, banane, lait de coco, tout ça dedans. Donc, c'est déjà pas mal. On va continuer, on va faire la deuxième tournée. Sans vous. À tout de suite. Voilà, j'ai fini. Et je verse encore ma deuxième tournée dans la chaudière. Et je vais rajouter aussi les autres ingrédients que j'avais pas mis pendant avant le mixage. Ok? Avant de passer, de les avoir passés au blender. Donc là, je vais rajouter les ingrédients avec vous. Voilà. Donc, je vais mettre la cannelle en poudre. Équivalent d'une cuillère, pas une cuillère à café, mais la grande cuillère, là. La cuillère qu'on peut manger, là. Je connais pas trop les noms en cuisine, mais l'équivalent d'une grande cuillère. Parce que j'avais pas la muscade, du coup, j'ai préféré utiliser ça. OK? On continue. On mélange bien. À chaque fois, c'est la même chose. Je mets la cannelle, je mélange bien comme il le faut. Je mets l'anis étoilé. Vous n'êtes pas obligé, mais moi, je mets quand même parce que je trouve que la badiane a un goût. Franchement, j'adore ça. Tout ce qui est dessert sucré, moi, j'aime bien utiliser la badiane dedans. Et franchement, essayez avec, vous verrez. Vous me direz. Voilà. Je mélange, je mélange. Je goûte un peu parce que comme la patate, elle est déjà un peu sucrée, c'était pour étudier combien est-ce que je vais rajouter beaucoup de sucre ou pas. OK? Mais je vous montre l'essence vanille, arôme vanille, mais je ne vais pas mettre ça tout de suite, je vais mettre juste après à la fin plutôt. Et là, je rajoute du sucre. Je peux dire la moitié d'une tasse. OK? Parce que si après, c'est trop sucré, je vous promets qu'après, vous serez saoulé. À chaque fois que vous prenez un petit bout pour manger, bah après, vous allez au lit, quoi, parce que ça va vous saouler. C'est pas trop bon. Donc, j'ai mis équivalent de la moitié d'une tasse. OK? À l'œil nu, j'arrive à connaître. J'ai l'habitude, c'est pour ça. Voilà, je mélange bien. Je mélange bien. Je goûte à nouveau. Pour moi, le sucre est bon. Maintenant, je vais passer à la cuisson. Voilà, je vous montre tout ça. Là, j'avais mis à 3 et au final, j'avais décidé de baisser la température un peu. J'avais mis à 2. Oui, à 2. Cuisson moyen parce que après, ça commençait à faire à durcir en dessous. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon pour moi parce qu'après, ça va faire des éclaboussures. C'est le goût, il y aura un goût un peu cramé. Et moi, je cherche pas ça, quoi. Donc, vraiment à feu moyen. OK, feu moyen pour la cuisson, on peut compter 1 heure de cuisson. Voilà, et là, comme vous pouvez voir, là, ça a changé un peu la texture et la couleur. Et à partir de là, je rajoute les zestes de citron. J'ai utilisé 2 citrons, l'autre citron, je l'avais déjà fait. Et après, j'avais décidé de faire ça en direct avec vous, comme ça, vous voyez comment je fais. Et après, vous aussi, vous pouvez déjà utiliser les zestes de citron, les mettre de côté pour après les verser directement dedans. OK? Donc, j'ai décidé de faire ça avec vous directement.
que le début. Voilà. Moi, c'est ma façon à moi de le faire. D'accord. À la haïtienne, quoi. J'ai mis deux citrons, deux, pour avoir plus de zeste. Pour moi, c'est OK. Voilà. Je prends mon couteau. À la fin que j'avais rajouté l'autre citron. J'avais déjà voilà, rajouté. Je vous montre l'autre citron. Okay. Et là, je... Voilà. C'est pas le jus, mais les zestes, la peau. OK. Donc, à partir de là, je prends mon couteau pour taper dessus, pour faire sortir tout ce qui reste dans... Voilà. Voilà. Et je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Et le parfum, je peux vous garantir comment ça sent bon. C'est un dessert, normalement, je fais ce dessert deux fois par an. À Noël et à l'anniversaire de mon fils. Et j'adore ça, c'est tellement bon. Je suis désolée, j'ai un peu bougé la caméra parce que je suis juste à côté. Et voilà, j'ai fini de bien mélanger. Voilà. Et comme je vous ai dit, okay. Là c'est très chaud. Il faut faire attention parce que ça brûle avec les éclaboussures, ça brûle et ça fait très mal. Avec les éclaboussures. Donc à chaque fois, moi je mets la couverture, je mets le couvercle. Pourtant il faut continuer. Vous voyez? C'est vraiment ça, ça fait mal. Je mets le couvercle et après 2-3 minutes je reviens pour encore mélanger parce que ça doit pas coller en dessous. Ça doit pas coller. Et vous voyez ça devient dur et ça commence vraiment à diminuer un peu dans la chaudière. Voilà, là c'est j'ai goûté encore, j'adore goûter ça. J'ai goûté, c'était pour voir s'il y avait pas trop de sucre ou s'il y avait assez ou pas. Donc là on va passer avec le beurre. Je sais pas pourquoi on met du beurre pendant la cuisson, mais moi je rajoute du beurre comme on me l'avait montré pour la recette. Comme je vous ai dit, je sais pas si ça change le goût, je sais pas, j'aimerais bien savoir pourquoi, mais voilà, j'ai l'habitude je rajoute le beurre, pas beaucoup, je garde ma façon à moi de le faire, mais quand même. OK, vous rajoutez ça. Voilà. Franchement, c'est une recette qui est très facile, hein. C'est une recette qui est très facile. Si vous regardez bien la vidéo dès le début et que vous mélangez tous les ingrédients, le reste de la vidéo, vous n'êtes même pas obligé de la finir, quoi. C'est juste pour vous montrer que c'est une recette très facile. Il faut toujours mélanger. Mais quand même, finissez la vidéo. Après, ah, j'adore ça, j'adore vous embêter. J'adore cuisiner les trucs haïtiens. Mettre à feu moyen. Comme ça, ça cuit. Voilà, ça cuit. Donc je mélange et... il faut compter au moins... je vais laisser reposer pareil bien, pour que ça puisse cuire et tu vas le laisser je reviens après. Minutes, donc il faut compter 1 heure de cuisson. Et voilà, je suis là, de retour. Vous voyez la couleur? Ça a changé, c'est devenu un petit peu plus marron. Et à la fin... Et j'ai même éteint le feu. J'avais arrêté la vidéo, mais vous l'avez pas vu. Parce que c'était cuit. Du coup, j'ai dû attendre. Il faut savoir faire la différence entre quand la patate, quand la chair est crue et quand c'est cuit. C'est pas la même, c'est pas la même, comment dire, c'est pas la même texture. Donc, allez-y, n'hésitez pas à goûter. J'ai acheté. Ok. Et à la fin, il faut rajouter l'essence vanille. Je vous ai présenté l'autre essence parce que l'autre essence, la première bouteille, elle vient d'Haïti. D'accord? Et moi, quand je fais une recette qui est haïtienne, j'aime beaucoup mettre des choses haïtiennes dedans. OK? Donc là, j'ai rajouté au moins deux cuillères de chaque essence. Je rajoute les raisins que j'avais laissés. Et à la fin, j'ai versé un verre de raisin sec. Pendant 20 minutes, dans de l'eau. Et je mélange. Mais n'oubliez pas, le feu est éteint. Il laisse tremper dans du rhum. Après, il rajoute le rhum. Je mélange. Mais moi, je connais pas le rhum. Je mélange. Je mélange. Il y a des gens qui utilisent le rhum blanc. Qui mettent du rhum dans un verre. Et après, ils mettent le raisin pour que ça puisse tremper au moins la veille. Genre toute une nuit. Et le lendemain... Pendant qu'il prépare la recette, il verse le rhum et le raisin en même temps. Sauf que moi, je ne mets pas d'alcool parce que, voilà. Moi, voilà, j'aime pas. Je peux goûter un truc qui a de l'alcool, mais tout le monde n'aime pas ça non plus. Donc, je préfère faire une recette sans alcool. Voilà. Voilà. Et après, là, on va passer au dressage pour pouvoir... J'ai déjà allumé mon four. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai déjà allumé mon four à 180.
Et là, j'ai utilisé celui-là en aluminium parce que Il y a des gens voilà, c'est plus qui pratique utilisent pour des moi. Après, je peux le pleurs, mettre au c'est bien. frigo et après, une fois que j'ai fini de Voilà, l'utiliser, je c'est mets bien. directement à la poubelle. Et là, on va mettre un petit peu de beurre pour ne pas que ça colle. Voilà. On met du beurre, on va bien beurrer, comme ça va pas coller après la cuisson. Je suis avec maman. Je suis plus à l'aise avec maman. Donc mes mains, elles sont toujours propres. Voilà. Je mélange. Disons, je passe. Vous comprenez quoi? Si vous me suivez. Voilà. Voilà. Je suis tellement à l'aise avec mes mains. Et je vais pas vous mentir, il faisait très chaud. Il fait très chaud. Et j'ai eu pas mal d'abeilles dans ma maison. Juste à cause du parfum. À cause du parfum. Ça sentait tellement bon et tout. Et j'ai eu pas mal d'abeilles. Mais bon, c'était pour une bonne cause. Ça veut dire que c'était. Que ça sentait super bon et c'était pas que moi qui l'avait remarqué. Les abeilles. Allez, une fois que j'ai fini, j'essuie mes mains. Voilà, j'essuie. Je tourne la caméra. Et là, on va passer au dressage. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ok, si vous avez des doutes ou quelque chose, je suis là. Posez-moi des questions et surtout likez la vidéo et partagez-la pour que d'autres personnes puissent la voir. Ok? Moi, ça me fait plaisir de cuisiner, ça me fait plaisir de poster mes recettes. Je ne le fais pas souvent, mais ça me fait plaisir quand même de poster des recettes où je sais qu'il y a des gens qui vont aller voir et voilà. Donc, posez-moi des questions et je serai là pour vous répondre. Là, je remplis bien. Je ne vais pas remplir jusqu'à bord, hein, mais jusqu'au bord, mais je remplis quand même. Comme ça, quand on va couper les petits morceaux, ça ne sera pas vraiment des petits morceaux, puisque ça sera vraiment en hauteur. J'aime trop ce dessin. Ok, maintenant que j'ai fini de faire ça, je vais rajouter encore du raisin parce que pour moi, il n'y avait pas assez. Il n'y en avait pas assez. Donc je vais prendre le paquet de raisins. Et je vais rajouter comme ça. Des raisins. Voilà. Je vais vous montrer. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Je rajoute encore. Je mets par-ci, je mets par-là. Je mets par-ci, je mets par-là. Franchement, si vous aimez ça, après, ce que je peux vous conseiller, le fait que le raisin est sucré, ne rajoutez pas trop de sucre, ok? Pour les gens qui n'aiment pas le sucre, ne rajoutez pas trop de sucre. Mais yeah, c'est pas un problème. Moi, j'ai rajouté une demi-tasse. À vous de voir. Mais c'est un dessert très sucré, donc... N'exagérez pas trop non plus. Voilà, j'ai rajouté encore et encore. Et au final, je vais rajouter encore de la pâte. Voilà, je vais essayer de les cacher parce qu'à la cuisson, ça devient cramé. Et bah, après, le goût, il sera un petit peu amer et j'aime pas trop ça. Donc, je vais rajouter encore. Voilà, histoire de les couvrir, quoi, histoire de les cacher. Voilà. Si vous voyez qu'il y a du gras sur le côté, ne vous inquiétez pas, c'est le beurre que j'ai mis au fond, d'accord?
C'est le beurre que j'ai mis au fond qui a fondu puisque c'était chaud. Ok, donc j'ai caché les raisins. Et là, une fois que c'est fini, mon four, il était déjà allumé à 10 minutes à l'avance. Et j'ai mis à 180. Et là, je mets au four pour 45 minutes. 45 minutes. Une fois que c'est bien doré, après les 45 minutes à 180, voilà. Voilà. Une fois que c'est bien doré, c'est prêt. Voilà. Vous voyez? Je vais pas sortir tout de suite parce que c'est très chaud. J'ai pas envie de me brûler. Et voilà, c'est prêt. Donc, je vous dis merci. J'étais contente de préparer cette recette pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Likez. Commentez et mettez-moi au courant, ok, de la suite. Je vous fais de gros bisous.